Allez, on est à la Mishnah d'Afé Amoud Aleph. Admatay Sholin Takshamim. Donc, on a vu la première Mishnah. C'était à partir de quand on est Shoel Bakshamim? C'était à partir de Sukkot, grosso modo, premier jour, dernier jour. Là, maintenant, jusqu'à quand on est Shoel Bakshamim? Admatay Sholin Takshamim. Rabbi Uda Omer, Hachavor à Pessah. Rabbi Uda, il dit jusqu'à la fin de Pessah. Donc, la Mishnah, la Gemara, hier, on avait vu, elle avait posé la question. Le Rabbi Uda, la première Mishnah, nous disait c'était le premier jour de Pessah, et là, Mashma, jusqu'à la fin. Alors, on avait dit Tretane, elle est pas de Rabbi Uda. Rabbi Meomer, Hachet, c'est Nissan, jusqu'à la fin de Nissan, tout Nissan. Chez Neymar. Excuse-moi, c'est une question stupide, mais avec Tanit. Ah, parce que Tanit, pourquoi il faisait des taniotes? Pour demander la pluie. Ah, d'accord. Eh oui. Rabbi Meomer, Hachet, c'est Nissan, chez Neymar, Vayored Lachem, Geshem, More ou Malkosh, Barishon. Le pasouk nous dit Vayored Lachem, Geshem, More ou Malkosh, Barishon. C'est quoi Barishon? Le premier mois. C'est quoi le premier mois du calendrier? C'est Nissan. Machma que Nissan. C'est un mois qui est apte à recevoir la pluie. Et c'est quoi Moré ou Malkosh? Alors, Moré, c'est la première pluie. Malkosh, c'est la dernière. C'est Yoré ou Malkosh? Moré, Yoré, c'est la même chose. On va voir. On va voir, Bémet, est-ce que Yoré, c'est normal que ça tombe en Nissan? C'est ça qu'elle pose la question, la Gemara. Amarle Rav Nachman le Rabbi Tzrak. Yoré, ben Nissan. Est-ce que Yoré, c'est en Nissan? Arrête, Yoré, c'est la première pluie. Quand est-ce que les premières pluies tombent? Yoré, ben Macheshvan ou Détania. Yoré, ben Macheshvan ou Malkosh, ben Nissan. Les premières pluies sont en Macheshvan. Les dernières pluies sont en Nissan. Alors comment tu peux me dire que Vayored Lachem Geshem More ou Malkosh Barishon, que le Passou nous dit que Barishon, au mois de Nissan, les premières pluies sont tombées? Mais elles sont un peu en retard si les premières pluies. Un peu. Amarle et Achri Amar Rabbi Yochanan, ainsi a dit Rabbi Yochanan, Bime Yoel ben Petuel. Au temps de Yoel ben Petuel, qui était Petuel, c'est Shmuel. Shmuel, il s'appelle Petuel, il a été méfaté à Kadosh Baruch Hu. Il a réussi à séduire en quelque sorte à Kadosh Baruch Hu de pas tuer Shaoul. Donc Yoel, c'était son fils. Et au temps de Yoel, il y a eu une névoa que le roi et tout le peuple d'Israël, ils faisaient des averot. Et il a dit, je vais leur donner 7 années de famine. Pendant 7 ans, il n'a pas plu. La 8e année, à la fin de la 7e année, donc, il y a eu la pluie en Nissan. Nitkayem, Mikrasé, donc on aimait Kayem, ce pasouk, qu'au mois de Nissan, il est tombé le Yoré, les premières pluies. Pas au mois de Cheshvan, au mois de Nissan. À cause de la famine. À cause de la famine. Dirtiv B, parce qu'il y a marqué Yeter à Gezem Achala Arbe. Ce qui restait dans les champs, qu'est-ce qu'il a mangé? C'est la Arbe. Il y a eu 4 sortes de sauterelles qui ont décimé complètement toutes les récoltes. Il y a eu 7 années de famine. 4 années où les sauterelles, elles ont tout mangé. 3 années où il n'y avait pas de pluie. Au Tachana, Yatsa Adar, Velo Yarduk Shamim. Cette année-là, à la fin, le mois de Adar est fini et il n'y avait pas encore eu les pluies. Yardalem Revia Rishona. Be'echad Benissan. Les premières pluies, Revia Rishona, sont tombées le premier Nissan. Donc le premier Nissan, c'est le Yoré qui est tombé, première pluie. Amarlem, Navi l'Israël. Yoel leur dit au clan Israël, Tseou Vezaru. Allez faire l'Azria, il faut aller semer le champ. Pourquoi? Parce que Bémet, il va pleuvoir et vous allez pouvoir récolter. Ils lui ont dit un brûlot. Mishieshlo Kavritim, O Kabaim Seorin, Yochlenu Vechye, O Israelenu Vyamut. Allez! N'oublions pas que ça fait 7 ans qu'ils n'ont pas eu de pluie. Donc il leur reste très très peu de récolte. Maintenant, cette récolte, qu'est-ce que je fais? Je l'investis, je le mets dans le champ? Ou bien non? Je la mange pour pouvoir survivre. Ah, et si je la mets dans le champ maintenant? Ça va prendre des mois avant de pouvoir récolter. Et qu'est-ce que je vais manger pendant ces mois-ci? Amarlem, Afalpiken, Seou, Vezaru. Allez-y, il faut avoir confiance en Dieu. Naselem, Nes, ils ont eu un miracle. Hein? Avec 7 ans de famine, après 7 ans de famine. Après 7 ans de famine, exactement. Naase la MNES, Vinit Galel la M, Mashiba Kotalim, ou Mashiba Khorin et Malim. Il y a eu un S, et voilà qu'on leur a dévoilé ce qu'il y avait dans les trous des murs et ce qu'il y avait dans les fourmilières. C'est-à-dire que ce que les Arbarim, les animaux, ils avaient caché pour faire des réserves, c'est ça qu'ils ont mangé pendant les quelques jours où ils ont labouré. Ouais, les Arbarim, ils ont pris des réserves. Ils mettaient dans les Arbarim, ils se cachent dans les murs, ils mettaient de la nourriture dans les murs. Un tout petit peu. Eh ben voilà, c'est ce qu'ils avaient. Yatsu, Vezaru, Sheni, Veshlishi, Verivi, le 2, le 3 et le 4 Nissan, ils ont été Zoréa. Donc n'oublions pas, le premier Nissan, il y a la pluie qui est tombée. Le 2, le 3 et le 4, ils ont semé. Viardalem, Revia, Shinya, et voilà que la deuxième pluie est tombée, Bachamisha, Benissan, le 5 Nissan. Et Ikrivu, Omer, Beshisha, Asar, Benissan, et la récolte a poussé tellement vite que le 16 Nissan, ils ont pu amener le Corban à Omer. Ils ont commencé le 2 Nissan, le 16 Nissan, il y avait déjà de l'orge. Nimtset Tvoa, Gdela, Beshisha, Chodashim, voilà qu'une Tvoa que normalement on met 6 mois pour pousser,
Gedela Bechad Asaryom, elle a poussé en 11 jours. Nimsa Omer Akarev Mitvoa Shel Shisha Chodashim, voilà que le Omer normalement qui est Nikrav, qui est amené avec une Tvoa qui a poussé en 6 mois, Karev Mitvoa Shel Echad Asaryom, il a été Nikrav en une Tvoa qui a poussé en 11 jours. C'est 14, pas. C'est le 2. 4, le 4. Le 4, ils ont fini. T'as raison, c'est une bonne question que tu poses. Mais le 4, ceux qui étaient le plus en retard, ils ont semé le 4. Et donc le 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça fait 11 jours. 11 jours, pas 12 jours, 11 jours. Pourquoi? Il est plus en retard, mais le 2, ça fait 2 semaines. Tu as raison. Vers l'auto Ador ou Omer, et c'est sur cette génération-là qui avait fauté, ils ont passé 7 ans de famine, il y a marqué Azorim, Bedima, Berina et Kitsou. Ils ont semé en pleurant. Tu sais pourquoi ils ont semé en pleurant? Parce qu'ils semaient, ils disaient, on est en train de donner nos dernières graines, on les met dans la terre. On est fous. Au lieu de les garder, de les manger, on va voir qu'ils n'avaient rien à manger. Ils ont mangé leurs enfants, tellement ils n'avaient rien à manger. Au lieu de les garder, de les manger, alors c'était des chanceux, ceux qui avaient encore des graines, ils les ont mis dans la terre. Ils ont eu confiance en Dieu, quand je brûle leur a fait un miracle, tout ce qui était dans les murs est sorti. Berina et Tsourou, quand ils ont moissonné au bout de 2 semaines, là ils ont fait la fête. Alors Yelech Ubachon no semesher Hazara, ce qu'on dit à la fin de la Seouda. Maï alors Yelech Ubachon no semesher Hazara, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Yelech Ubachon en pleurant. Arrête, on peut pas parler des Bnei Adam, c'est pas les agriculteurs, parce que les agriculteurs, on a déjà dit Azurim Bedima. Alors c'est qui alors Yelech Ubachon? Amar Abuda, Shor, c'est le taureau. Le taureau aussi pleurait. Keshu Choresh Olech Ubachon. Quand il est en train de labourer, il pleure, il dit ah, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je vais mourir moi aussi. J'ai plus rien à manger, on fait travailler alors qu'il n'y a rien à manger. Bechazirato, et quand il revenait, donc il faisait un aller simple. Là où il semait, quand il faisait déjà le retour, ça avait déjà poussé. Bechazirato, Chaziz, Ochel, Chaziz Minatelem, il y avait déjà des petites herbes qui avaient poussé, et c'est ça qui mangeait le taureau. Et c'est ça qui a marqué, Alors Yelech Ubachon, Nosemeshe Chazara, Boyavo Berina, Vezehu, Boyavo Berina. Quand il est revenu, c'était la fête, même le taureau. Maï Nosea Lomotav, alors c'est quoi ce Nosea Lomotav? On a compris que ça a poussé, c'est quoi Nosea Lomotav? Amar Afrizda, Vamrela Bematnita, Tana Kane Zeret Shibolet Zrataim. Normalement, la proportion entre un canet et la chibolette, entre la paille et l'épi de blé, c'est la paille, elle est 3 ou 4 fois plus grande que l'épi de blé. Là ici, la paille, elle faisait un zéret, c'est-à-dire khatsiyama, et l'épi de blé, il faisait une amma entière, zrataïm. Ça, c'est l'épi de blé était grand comme ça, et la paille, c'était la moitié. C'est énorme. C'est énorme. Ils ont eu un shefa extraordinaire. Amarle Rav Nachman et Rav Yitzhak. Maïdirtiv. Quel est le pasouk qui dit qui kara Hashem la Rahab Vegamba El Haaretz Sheva Shanim. Pendant 7 ans, il y a eu la famine. Qu'est-ce qu'ils ont mangé pendant 7 ans? Comment ils font pour manger pendant 7 ans? Il n'y a rien qui pousse. Benar Sheva Shanim, Mayakoum, qu'est-ce qu'ils ont mangé pendant ces 7 années de famine? Amarle. Achéame Rabbi Yochanan, ainsi a dit Rabbi Yochanan, Shana Rishona, Achlou Mashéba Batim. La première année, ils ont mangé ce qu'il y avait dans les maisons, ce qu'ils avaient récolté l'année d'avant. Shnia, la deuxième année, Achlou Mashéba Sadot. Ils ont mangé ce qu'il y avait dans les champs. Pourquoi? Parce que même s'ils n'ont pas pu semer, ça a continué à pousser un petit peu. Shlishit, la troisième année, Bassar, Behema, Théora. Ils ont mangé les animaux, ils mangeaient de la viande. Revihit, Bassar, Behema, Tmea. La quatrième année, ils mangeaient les animaux impurs. Ce qui n'est pas cachère. Aris, Picouart et Fèche, ils n'ont rien à manger. Donc ils mangeaient les cochons, les ânes, les chevaux. Ils mangeaient tout ce qui leur tombait sous la main. Chamishit, Bassar, Shkatsim, Omasim. La cinquième année, là, ils n'ont plus d'animaux ni purs ni impurs. Ils mangent les vers de terre, les escargots, Shkatsirum Massim. Et donc, même quand on est dans un matzav de Pikour Nefesh, il faut éviter de manger les choses qui sont plus graves. Arrête de manger des Shkatsirum Massim, de manger des escargots. C'est plus grave que de manger du Khazir. Le Khazir, c'est un seul lave. Les Shkatsirum Massim, c'est 5 lavines. Le Khazir, c'est un kazaït. Alors, le Shkatsirum Massim, c'est à partir de Kaseora déjà que je suis khayab. Donc, il vaut mieux manger de l'âne. Chichit. Ouais. La chichit, maintenant, ils n'ont plus rien. Ni les animaux, ni il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'ils mangent? Shishit, Bassar, Benehem ou Bnotem. Ils mangeaient leurs enfants. Rabbin Israël. Shvit, Bassar, Zrotem. Septième année, ils mangeaient leurs bras. Ils n'avaient plus rien à manger. Alors, bien sûr, c'est pas Kipchuto, ils mangeaient. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement maigres que c'est comme s'ils avaient mangé leurs bras. C'est comme ceux qui sortaient des camps de concentration, ils n'avaient plus de bras, ils n'avaient plus de jambes, ils n'avaient plus de muscles. Mais Shishit, tu peux dire ça. Hein? Mais Shishit, tu peux dire ça. Shishit, ils avaient leurs enfants. Non, ils n'ont pas mangé les enfants. Si. Les enfants, ils étaient tout à fait amaigris. Non, ça c'est. Non. Si c'est marqué qu'ils plutôt ils mangeaient les enfants. Les Kayem, Hachenemar, Ish Bassar Zro Yochelou, qu'un homme il va manger la chair de ses bras. Tout ça pourquoi? Parce que c'était un dehors qui a fait beaucoup d'avirotes
Alors la liste est longue, hein. Tout ce que vous pouvez imaginer, ils l'ont fait. En passant par la Avodah Zara, Gilou Erot, Shvichut Damim, ils ont tout fait. Et donc, ils avaient leurs enfants. Non, c'est pas moi, j'ai eu les enfants. Si. Les enfants, ils étaient tout à fait non, ça c'est. Non. Si tu avais c'était eux qui t'avaient. Ça c'est. Non, ça c'est marqué qu'ils plutôt ils mangeaient les enfants. Les Kayem, Hachenema, Ish Basar Zoro, Yochelou, qu'un homme il va manger la chair de ses bras. Tout ça pourquoi? Parce que c'était un dehors qui a fait beaucoup d'avirot. Alors la liste est longue. Hein. Tout ce que vous pouvez imaginer, ils l'ont fait. En passant par la Avodah Zara, Gilou Erot, Shvichut Damim, ils ont tout fait. Et donc, le Navi leur disait attention, 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 ils s'en foutaient. Il y avait un roi qui était Racha, c'était le fils de Achav. Non, c'était pas Ibn Yoakim, c'était. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le roi? Non, c'était pas Yoakim. Non, Yoakim, c'est pas. On l'a plus. Ménaché. C'était Ménaché, Chazak Odrop. Non. Si. Top, l'Omchani. Désolé, je m'aurais vu. Yoash peut-être. Yoash? Non, c'était. Ah, ça m'énerve ça, on va me rappeler. Dans les chaleurs, tu cherches le fils de qui? Moi. Le Meler qui était Rachel dans ce bord. Où ça? Le roi qui était racheté dans ce dos. La génération de mon jeu de bafard. Alors c'est marqué ici. Mais Elisha dit bien la Isha. Top. Si je me rappelle tout à l'heure, on. Tu veux reprendre vite fait? Je demande? Non, non, ça va. Ah, tu as raison. Je demande, il va me dire. Non. Khaziaou, c'est possible? Non. C'est fou ça quand on cherche. Tout à l'heure je l'ai vu en plus. Top, allez, vaïta, je sais pas. On continue. Amar le Rav Nachman et Rav Yitzhak, Maïdirtiv, qui kara Hashem Arab, ça y est, on vient de le faire, ça, Mechila. Amar le Rav Nachman et Rav Yitzhak, Maïdirtiv, Bekir Becha Kadosh, Velo Avo Beir. Quand ton Machane sera Kadosh, je ne viendrai pas dans ta ville. Mais Shum de Bekir Becha Kadosh, Velo Avo Beir, comment Kadosh beaucoup, il peut dire, quand tu reçois ton Machane sera Kadosh, je ne viendrai pas. Amar le Achi Amar Abiyochanan, Amar Kadosh beaucoup, Lo Avo Beiru Shalem Shalmala. Achavo l'Yerushalayim Shel Mata. Je ne viendrai pas dans le Yerushalayim d'en haut tant que le Yerushalayim Shel Mata n'est pas construit. Au Mika Yerushalayim les Mala, est-ce qu'il y a un Yerushalayim en haut? In dirtiv Yerushalayim Abbenouya qui ir Shechubala Yardav. Yerushalayim, la nouvelle qui va se construire, qui ir Shechubala Yardav, comme la ville qui est déjà construite. Donc on voit ici qu'il y a un Yerushalayim en haut, un Yerushalayim en bas. Michael, le Sar, le Malach Michael, il est makriv des Korbanot dans le Yerushalayim qui est dans le ciel. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Yerushalayim et pas Yerushalem. Yerushalayim, ça veut dire Irshalem. Malgré le fait que normalement on aurait dû dire Yerushalayim, Yerushalayim, il a Shon Shtai. Non,
Exactement. Mais comment il s'appelle le mêler du dor où il se faisait. Mathieu bon, alors j'ai le portable. T'as le portable, je parle. Continue. Ve'amarle Rav Nachman le Rav Yitzhak. Ma'i dirtiv ou be'achad ivarou v'ikaslu moussar avalim etzou. Be'achad ivarou, avec une seule avira, c'est ça qui va les brûler. Quelle est cette avira? Amarle achiam Rav Yochanan, achat ishemevaret reshaim bageinam. C'est une seule avira qui brûle les reshaim dans le geinam. Ma'i avodazara. C'est la avodazara. Ktivacha moussar avalim etzou. Donc on va la chaune evel. Ou ktivatam evel hema ma'asetatouim. C'est du vent. Ceux qui font avodazara, ils font ma'asetatouim, ça sert à rien. Donc on voit que ici, on parle de la Vodazara. Ils ont fait deux Averot, deux mauvaises Averot. La Gemara dit tartine ou quoi? Ils ont fait que deux Averot. D'avou, Esrin Verba, je suis Kaliou. Quoi, les 24 autres que le Navi nous énumère, tu les as oubliés? Amarle, Achi, Amar Yochanan, Achatish Kula, Kishtaim. Il y a une Avera qui compte pour deux. Oumaïdiou Avodazara. C'est Ménaché. C'est Ménaché. C'est pas lui d'Ara. Non. C'est le fils de C'est Ménaché, le fils de Chizkiyahu. Non, 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 alors deux secondes. Shkula Keshtaim, pourquoi Avodah Zara c'est Shkula Keshtaim? Parce que les deux, les trois Averot Hamurot, c'est Avodah Zara, Shfichud Damim et Gilui Arayot. Les deux là, c'est comme si c'est Avodah Zara et les Gilui Arayot et Shfichud Damim, c'est pareil. Shkula Keshtaim. Quoi, Avodah Zara? Ouais. Avodah Zara. Dirtiv, Keshtaim Raot Asaimi, Oti Azvu, Mekochaim. Ils m'ont laissé tomber, Akadosh Baruch Hu pas. Ils ont laissé tomber le judaïsme, ils sont allés faire Avodah Zara. Mais Kochaim, l'Artsov, l'Aim, Beirot, Beirot, Ishbarim. C'est-à-dire que les béné Israël, non seulement ils ont laissé tomber Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi faire? Pour aller faire Avodah Zara. Et donc là, ça s'appelle l'Artsov, l'Aim, Beirot, Beirot, Ishbarim, pour aller creuser des trous, des puits. Ça veut dire quoi? C'est quoi le machal? Le machal, il est que un puits, c'est pas une source d'eau. C'est là où l'eau vient se déposer, mais il n'y a pas de l'eau qui sort du puits. C'est pas une source. Hein, ça contient exactement. Donc toi, les juifs de l'époque, au lieu d'aller au Mekor, là où c'est le Mayan, c'est la source, à Kadosh Baruch Hu, ils vont aller regarder la lune, ils vont regarder le soleil, ils vont faire Avodah Zara dans ce qui peut contenir la force à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est pas la source. Donc ça s'appelle un BR. Et eux, non seulement ils ont fait ça, mais ça s'appelle un BRod Nishbarim. C'était des puits qui étaient cassés. Parce que même pas, ils sont même pas allés voir la grandeur d'Hachem à travers le soleil ou la lune, mais ils sont allés voir des statues ou quoi que ce soit, donc ça s'appelle même pas il y a même pas la grandeur d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur. C'est ça que ils ont abandonné Akadosh Baruch Hu. Urtiv ba'u ki avru hi kitim uruk uru vekader shalchu veitbonenu meod. C'est-à-dire que le Navi leur dit ki avru hi, allez voir dans les îles kitim, c'est les Grecs, allez voir les Grecs qui étaient ovda avodazara, uru vekedar, allez voir les Kedarim qui étaient aussi ovda avodazara, shalchu veitbonenu meod, et réfléchissez à ça. Aïmir goy Elohim veema lo Elohim. Alors est-ce que eux, ces goyim là, que chacun il est ovel avodah zara, une force différente, et c'est même pas des dieux. Veami imir kvodo belo yoil. Et mon peuple, il s'est rebellé contre moi sans aucun belo yoil, sans que ça lui serve à quoi que ce soit. Tana, la Gemara l'explique. Koutim ovdim laesh. Les koutim, les Grecs apparemment, ils étaient ovel avodah zara, le feu. Vekadarim ovdim la maïm. Et eux, ils étaient ovel l'eau. Mais malgré le fait que, on sait très bien que l'eau peut éteindre le feu, ceux qui étaient ovèdes à Vodazara le feu, ils ne disaient pas, alors je vais voir maintenant faire l'eau. Non, chacun était fidèle à sa Vodazara. Donc si, allez voir les goïms, ils sont fidèles à leur Vodazara et vous n'êtes pas fidèles à Kadosh Baruch. Vafalpi, Shiodim, Shamaim, Echabin et Taesh, ils savent très bien que le feu, il peut éteindre l'eau peut éteindre le feu. Loïmuru Elohem, Vami, Emir, Kvodi, Beloyel, et moi, mon peuple s'est rebellé contre moi sans raison. Vamarle, Rav Nachman, Rav Yitzhak, Maïdir Tivayi, Kacher, Zaken, Shmuel. Quand Shmuel est devenu vieux, la Gemara dit, mais Shmuel, il n'était pas vieux. Il n'est jamais devenu vieux. Il est mort jeune. Au missive, Shmuel, est-ce que Shmuel est devenu vieux? Kuleaï. Vea bar nun bet, avait. De amarmar, met ben nun bet chana. Zemitato shel Shmuel, quelqu'un qui meurt à 52 ans, c'est pas un simanra, c'est la mort de Shmuel. 52 ans, c'était l'année de la mort de Shmuel. Pourquoi 52 ans? Parce que Chana l'a donné au Bet Amigdash après 2 ans. Quand il était bébé, quand elle a sevré, il avait 2 ans. Et elle a dit, je le donne à Dolam. Adolam, c'est quoi? La vie d'un Lévi au Beth Amikdash. Un Lévi reste 50 ans au Beth Amikdash. Donc ça veut dire 50 plus 2. Il a vécu 52 ans, Shmuel.
Zéou mitato shel Shmuel Ramati. Il est zaken pour son âge. Non, il était pas. Ah non, qui 52 ans, c'est pas vieux. Alors pourquoi il y a marqué qu'il zaken Shmuel? Amar le achi amar Yochanan zikna. On a dit mais Shmuel il était pas vieux. Il est jamais devenu vieux. Il est mort jeune. Ou missiv Shmuel, est-ce que Shmuel est devenu vieux? Kuleai ve'abar nun bet avait. De amar mar met benun bet shana. Zéou mitato shel Shmuel, quelqu'un qui meurt à 52 ans, c'est pas un simanra, c'est la mort de Shmuel. 52 ans, c'était l'année de la mort de Shmuel. Pourquoi 52 ans? Parce que Hana l'a donné au Beth Amikdash après 2 ans, quand il était bébé, quand elle a sevré, il avait 2 ans. Et elle a dit, je le donne à Adolam. Adolam, c'est quoi? C'est la vie d'un Lévi au Beth Amikdash. Un Lévi reste 50 ans au Beth Amikdash. Donc ça veut dire 50 plus 2, il a vécu 52 ans, Shmuel. Zéou mitato shel Shmuel Ramati. Il est zaken pour son âge. Non, il était pas... Ah, non, qui... 52 ans, c'est pas vieux. Alors pourquoi il y a marqué qu'il zaken Shmuel? Amarle achi amar Yochanan zikna kafza alav. Il est devenu vieux d'un coup. Il aurait pas dû devenir vieux. C'est-à-dire qu'à 52 ans, il était tout blanc. Il était. Il avait des signes de vieillesse. C'est comme avec les Arben Azaria un peu. Exactement. Mais pourquoi sur Shmuel il y a eu ça? Parce qu'il y a eu un vicoire entre Shmuel et Kadosh Baruch Hu. Dirtiv. Nichamti ki mlarti et Shaul. Shaul Ameler. Shmuel lui l'envoie. Tu vas chez Amalek. Tu tues tout le monde. Le roi, tout le monde, le bétail, tu brûles tout. Je veux plus. T'es pas un survivant. Qu'est-ce qu'il a fait Shmuel, Shaul, pardon, il est ramené à Gag et le bétail. Kadosh Baruch Hu, il a dit, Nichamti ki mlarti et Shaul. Je regrette, j'aurais pas dû le rendre roi. Il s'est planté, il a pas fait ce que je lui ai demandé. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Kadosh Baruch Hu, il dit à Shmuel, il faut le tuer. Il va mourir. Amar lefanav, et là, Shmuel rentre dans un vicoire avec Kadosh Baruch Hu. Amar lefanav, Rebo Moshe Olam, Shikaltani ke Moshe Aaron. Tu me considères moi comme Moshe Aaron. Dirtim Moshe Aaron, Bechoana, Moshe Shmuel Bekoreshemo. Ma Moshe Aaron n'oublie plus Masé Dem Bechayem. Afani l'oublie Batel Masé Adai Bechayai. Alors Moshe Aaron, eux, ils sont morts avant leurs disciples. Ils n'ont pas vu leurs disciples mourir. Moi aussi, je veux pas voir mon disciple Shaul, celui que j'ai couronné, mourir avant moi. Donc je refuse de qu'il meure de mon vivant. Amar Kadosh Baruch Hu Yichyavid. Alors comment je fais maintenant? Limot Shaul. Si je dois faire mourir Shaul, Lokash avec Shmuel. Shmuel il veut pas. Limot Shmuel. De faire mourir Shmuel. Ah, des outards, mais Ranéné abattré. Comme il est jeune, les gens vont dire ah, Shmuel est mort jeune. Ah, mais c'est un mec qui était Khalav Karet, il a dû faire une Avera. Ah, et quelqu'un qui est Khalav Karet, il meurt jeune. C'est pas possible de penser. L'Olimot Shaul, l'Olimot Shmuel, que va dire Malchut David. Ven Malchut Noguet, Bechaverta, Filokulonima. Ni de tuer Shaul, ni de tuer Shmuel, c'est impossible. Pourquoi? Parce que du moment où Akadosh Baruch Hu a dit que Shaul n'était plus apte à être roi, alors donc il guia Zman de David Ameler de régner. Et En Malchut Noguet, Bechaverta, Filokulonima. Une malchoute ne peut pas empêcher l'autre de venir, même sur un cheveu. Alors donc il est coincé. Mais comment il peut dire qu'il ne veut pas qu'il meure de son vivant? Il ne choisit pas. Shmuel? Ouais. C'est pour ça qu'on l'appelle Petuel. Il a été méfaté à Kadosh Baruch Hu. Il avait un koach hatfila de pouvoir être mitvaker à Kadosh Baruch Hu. Je ne veux pas que tu le tues. Quoi? Et le Hari, il rabiterait qu'à Pratera, on a cru qu'ils sont morts à cause de ça tout à l'heure. Qui ça? Le Hari et Rabitra Kabrata, ils sont morts à 36 ans. Ils sont... Quel rapport? Oula! Shmuel, il est mort avant Shaul. Quel rapport? Non, ils sont morts peut-être à cause de. Quel rapport? Tous ceux qui sont morts jeunes, tu vas me poser des questions sur le. Qui? Shmuel, qui loue Hachem. Hachem, il a dit ça sur Shmuel, oui, il a dit ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, vous allez me devoir être Shmuel Anavé. Oui. Et Shmuel Anavé, il est mort avant. 52 ans. Non, justement, c'est ça la problématique. Qui meurt avant Shmuel, avant Shaul, il peut pas parce qu'il est trop jeune. De mourir après Shaul, il veut pas. Alors comment on fait? C'est pour ça qu'il a rendu vieux. Pour pas que les gens disent ah, il était jeune, il est mort trop jeune. Donc il avait un aspect d'une vieille personne, malgré le fait qu'il était jeune. Il est mort à 52 ans avant Shaul. J'ai lu un midrash que Kadosh Baruch Hu a demandé à Shaul de tuer tous les sorcelleries, ceux qui faisaient de la avodah zara et qui appelaient les morts. Et donc il était en guerre avec les Plishtim. Alors il a demandé à un de ses gars de consulter un voyant comme ça. Et il a dit oui, mais on a déjà tué presque tout le monde. Et ils ont trouvé une sorcière qui fait encore ça et ils ont appelé Shmuel Hanavi. Alors qu'il est mort avant Shmuel Hanavi. Et c'est à cause de ça qu'il a appelé les morts qu'il a dû mourir. Amar Kadosh Baruch Hu Akfit Salavzikna, c'est pour ça qu'il a. Il a été mémaher sa vieillesse. Aïnou dirtiv, Shaul Yoshev Bagiva, Tachat Aeshel Berama. Shaul, il était Bagiva, Tachat Aeshel Berama. C'est deux endroits différents. La Giva et Rama. Ramati, c'est l'endroit de Shmuel. Et Shaul était à Giva. Giva de Shaul. Vechi, Maïdan, Giva et Tsel Rama. Pourquoi tu me les mets un à côté de l'autre? Et alors, Marlecha, Migaram, les Shaul, 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 Bagiva, Shteshani, Moumertza, qui a
fait en sorte que Shaoul y règne pendant 2 ans et demi dans la Giva, c'est-à-dire que c'était le roi d'Israël, Tfilato Shel Shmuel Armati. C'est grâce à la Tfila de Shmuel Armati, parce que finalement, l'histoire avec Agag, c'est arrivé juste au début du règne. Ça faisait 6 mois qu'il était roi, normalement il aurait dû mourir immédiatement, et malgré ça, il est resté encore 2 ans. Il a régné 2 ans et demi en tout. Au Mimitre Gavra, Mikame Gavra, est-ce qu'un homme il est repoussé d'un autre homme? On voit qu'ici Shmuel doit mourir à cause du fait que David doit maintenant régner. D'amarche, la Gemara dit, il n'a rien à dire. Mais si il y a quelqu'un d'autre qui doit prendre ta place et que toi tu n'es pas prêt à lui laisser, alors il faut que tu t'en ailles. D'amar Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, Madirti Valken, Chatsabti Ben Neviim, Araktim Beim Repi. Akadosh Baruch Hu, il faisait le ménage parmi les Neviim quand ils étaient plus aptes à la Nevoa, Beim Repi, avec sa bouche. Bemasem l'omenemar, c'est pas à cause de leur massim qu'il est, il est dégagé. Et là, Beim Repi, c'était par le fait de Akadosh Baruch Hu, il décidait, hop, il faut partir. Pourquoi? Parce que Bemet, Mitre Gavra, Mikame Gavra, un homme est poussé par la venue d'un autre. Alma, Mitre Gavra, Mikame Gavra. Rav Nachman et Rav Yitzhak Avuyatve Besoudata. Rav Nachman et Rav Yitzhak, donc, ils étaient assis ensemble, en train de manger. Amarle, Rav Nachman et Rav Yitzhak, les mêmes amis, t'as dit nous une petite parole de Torah. Amarle, il a dit non, je suis désolé, je peux pas. Achi Amar Abuchanan, ainsi a dit Abuchanan, El Masirim Basiouda. On n'a pas le droit de parler pendant la Siouda. On est en train de manger, on ne peut pas parler, donc tu me demandes de parler et de dire des livres de Torah. Je fais. El Masirim Basiouda. Shema Yagdim Kanel et Véchette, de peur qu'en mangeant, ce qui devait rentrer dans le Véchette, c'est-à-dire. Dans l'œsophage, il va finalement rentrer dans le canet, dans la trachée artère, et donc ça va boucher la respiration via volider sakana, et il va être en sakana, on peut en mourir. Ça vient à contredire que Chouchacha, Chou, Vélo, Mondivetora. Après la Séouda. Bâtard de Saoud, après qu'ils aient fini de manger, Amarlé, alors il dit maintenant, dis-moi ce que tu as à dire. Alors il a rien à dire, Isha, il pose une très bonne question. Alors il a dit, Enma Sirkin Besouda. Et il parle. Comment tu peux parler, Birkhal? Tu as dit qu'il ne faut pas parler, et tu parles. Et Birkhal, regardez ce qu'il lui dit. Achi Amar Abiyochanan, Yaakov Abinou Lomet. El Masichin Baseouda, c'est plus long de dire que de dire Yaakov Avinu Lomet. Alors tu dis Yaakov Avinu Lomet, pourquoi tu dis El Masichin Baseouda? Parce qu'il y a une différence entre de la gata et de la halakha. Quand je dis une halakha, El Masichin Baseouda, écoute, c'est fini, on a fini de parler. On va pas commencer à discuter sur ça. Si je commence à te dire Yaakov Avinu Lomet, c'est de la gata, alors là tu me dis quoi? Il est pas mort. Donc alors on va entrer dans une discussion et là on peut rentrer dans une sakana. Amarle, d'ailleurs, il répond, comment tu peux me dire Yaakov Avinu Lomet? Vechi, Bichde, Savdou, Savdaya. Est-ce qu'ils ont été maspid, les Mitzrim? Stam, il n'est pas mort. Alors pourquoi ils sont maspid? Il y a marqué dans la Torah, ils ont été maspid. Vechantou, Chantaya, Vekivou, Kavraya. Ils ont fait une Chanata, ils l'ont embaumé. Ils ont été couverts autour, ils sont à Marata, Marpella. Il y a Esav, il est mort ce jour-là. Ils ont coupé la tête quand ils l'ont enterré. Donc il a été enterré, je me dis qu'il n'est pas mort. À Marlé, tu te poses de bonnes questions. Mais, malasot, on aurait pu dire ça. On dit quoi? Mikra Nidoresh, j'ai un passouk, je suis désolé mon ami. Chenemar, va atal, tira, avdi, Yaakov, neum Hashem, n'aie pas peur, Akadosh Baruch Hu par Yaakov, ve al techat Israël, ki neni moshiacha merachok, ve tzarecha meretz shivyam. Je vais délivrer ta descendance de loin, même s'ils sont en Australie, ils viendront en Israël, et meretz shivyam, leur endroit où ils étaient prisonniers. La Gemara dit, makish ou les arros, on voit qu'il y a un ekesh entre Yaakov Aminu et sans sa descendance. Que quoi? Mazaro Bechaim, de la même manière que sa descendance, quand elle va faire sa alia, quand il va y avoir Kibbutz Galuyot, là, il va y avoir le Mashiach, ils vont venir vivants. Afu Bechaim, lui aussi, ça veut dire qu'il est vivant. Donc Yaakov Avinu est vivant jusqu'au temps du Mashiach. Mais je ne sais pas qu'il n'est pas mort. Alors ici, d'après Rashi, c'est Kipchuto. Il n'est pas mort. Je ne sais pas comment comprendre Rashi, je n'ai pas compris. Les autres Rishonim, ils sont un peu plus. Ils ont un plus de pincettes, exactement. On parle de Yaakov Avinu là? Yaakov. Le Ramban, il dit, c'est quoi qu'il n'est pas mort? C'est que la Neshama, elle ne s'est jamais vraiment séparée du gouffre. Il y a marqué sur Rabbeinu HaKadosh, la Gemara dans Ktubot, elle dit que chaque Yom Shishi, Rabbeinu HaKadosh, après sa mort, il revenait faire kiddush à sa femme le Yom Shishi et il revenait à la maison Shabbat. C'est-à-dire quoi? Il est mort ou il n'est pas mort? Il est mort, ils l'ont enterré. Mais la Neshama ne se sépare pas du gouffre et donc, il y a il se relevait, il revenait, je ne sais pas comment ça marche. Ça, c'est le Ramban. Après, le Rajba, il dit, c'est sa descendance qui n'est pas morte. Pourquoi? Parce que la descendance d'Yaakov Avinu, elle est 100% cachère. La descendance d'Abraham, il y a Ishmael, Yitzhak, Esav, Yaakov, je t'aime, Esrei Shvatim, 100% cachère. Toute sa descendance, elle était cachère, donc il n'y a aucune partie de lui qui a été jetée à la poubelle, qui est partie. Ils ont tous reçu la Torah, donc c'est pour ça qu'à travers le clan Israël, Yaakov Avinu continue à vivre. Ça, c'est d'après le Rajba, tranquille. D'après les deux avis là, Ramban et le Rajba, Badek, il est mort physiquement.
le Chochmat Manoach, il dit, il n'est pas mort en Égypte, il est mort en Eretz Israël. Donc de la même manière que les Béné Israël, quand ils vont revenir de Galout, ils vont arriver vivants en Eretz Israël, Yaakov Avinu, quand il est arrivé en Eretz Israël, quoi qu'il n'est pas mort, c'est que la Neshama, elle s'est jamais vraiment séparée du gouffre. Il est marqué sur Rabbeinu HaKadosh, avec Maradan Ktubot, elle dit que chaque Yom Shishi, Rabbeinu HaKadosh, après sa mort, il revenait faire kiddush à sa femme le Yom Shishi et il revenait à la maison Shabbat. C'est-à-dire quoi, il est mort ou il n'est pas mort? Il est mort, ils l'ont enterré. Mais la Neshama ne se sépare pas du gouffre et donc il y a une. Il se relevait, il revenait, je ne sais pas comment ça marche. Ça, c'est le Ramban. Après, le Rajba, il dit c'est sa descendance qui n'est pas morte. Pourquoi? Parce que la descendance d'Yaakov Avinu, elle est 100% cachère. La descendance d'Abraham, il y a Ishmael, Yitzhak, Esav, Yaakov, je t'aime, Esrei Shvatim, 100% cachère. Toute sa descendance, elle était cachère, donc il n'y a aucune partie de lui qui a été jetée à la poubelle, qui est partie. Ils ont tous reçu la Torah, donc c'est pour ça qu'à travers le clan Israël, Yaakov Avinu continue à vivre. Ça, c'est d'après le Rajba, tranquille. D'après les deux avis là, Ramban et le Rajba, Badek, il est mort physiquement. Le Chochmat Manoach, il dit, il n'est pas mort en Égypte, il est mort en Eretz Israël. Donc de la même manière que les Béné Israël, quand ils vont revenir de Galout, ils vont arriver vivants en Eretz Israël, Yaakov Avinu, quand il est arrivé en Eretz Israël, il est arrivé vivant. Mais la dynamique, après, il était enterré, il est mort normalement. Et le quatrième pshat, c'est que Yaakov Avinu sera zoché à une triat amitim avant l'heure. C'est-à-dire que Yaakov Avinu pourra assister à la Géoula Shlema, alors que triat amitim, c'est bien après ça. Ah, ça, c'est les pshatim pour expliquer c'est quoi Yaakov Avinu le mettre. Une petite question arabe. Vas-y. Maintenant, Yosef, il fait partie de quel Shevet? Parce que c'est le seul qui n'a pas son nom à une tribu. Parce que Yosef a été divisé en deux, Ephraim ou Menaché. À travers Yosef, on a eu deux Shevetim. Ça, c'est 13 et 14, ça. Ah non. Parce qu'on dit qu'il y a 12, mais on dit qu'il y a 14 aussi, Nachman. Non, je me fais un délire. Non. Pourquoi il a été divisé en deux? Parce que c'est Yaakov Avinu qui a dit Ephraim et Menaché, comment c'est marqué? Kebanim Yuli. Kebanim Yuli, je ne sais pas comment il dit. Ils seront comme mes enfants. Même si Yosef il a eu des enfants après, c'est seulement Ephraim et Menaché qui étaient comme les enfants de Yaakov Avinu. On continue. Amar Rav Yitzhak continue à dire des divrei Torah. Kol haomer Rachav miyad nikre. Rachav, c'était une zona, une prostituée, qui était au temps de Yehoshua Binoun. Quand ils sont arrivés en Eretz Israël, c'est chez elle qu'ils ont trouvé refuge, chez Rachav. Maintenant, elle fait partie des quatre plus belles femmes du monde. Et donc, tout celui qui disait Rachav, son nom, deux fois, il était Baal Kéri. Il était tamé. Pourquoi? De là, on apprend. On apprend qu'il ne faut surtout pas être Meharer, Beirorim, Lotovim. Amaré Ramachman lui dit, c'est quoi cette histoire? Ané Aminal, vous ne repatli. Moi, je dis Rachav 10 fois, il ne se passe rien. Pourquoi tu dis qu'on est Balkiri? Je ne suis pas Balkiri. Amaré, non, Kika Amina, Biodea ou Makira. Je parle de gens qui la connaissent. Biodea, soit ils l'ont vu. Alors à l'époque, il n'y avait pas de photos, bien sûr, mais ils faisaient des statuettes. Donc soit tu as vu son visage, soit Birkhat et Makirota. Et donc là, Bemet, Miad Nikre, si tu sais de qui on parle, Bemet, tu risques une Valkyrie. Qui a vous miftere Mahadadé, quand ils se sont séparés l'un de l'autre, donc Rav Nachman et Rav Yitzhak, Amarle livre Khanma, est-ce que tu peux me faire une bracha? Rav Nachman dit à Rav Yitzhak, tu peux me faire une bracha? Amarle, Emshol et Khamashal et Mahadavar Domé, je vais te dire à quoi ça ressemble. Je ne peux pas te faire de bracha. Les Adam Shaya Oler Bamidbar, ça ressemble à un homme qui était dans le désert. Veaya Raev, il était affamé. Veayef, Vetsame, et il était assoiffé. Matsa Ilan Sheperota Mitukin, il a trouvé un arbre, il avait des beaux fruits. Vetsilonae, il faisait de l'eau. Vetamaim Overet Artav, il y avait une source qui passait à côté de lui, de l'eau. Donc en deux mots, super l'arbre. Acha Miperotav, Shata Mimema, Vetacham Vetsilo. Il a mangé, il a bu, il s'est assis à l'ombre, il a commencé à dormir. Chez Bikesh, j'ai l'air, quand il a voulu se lever, Amar Ilan, Bemar, comment tu veux que je te bénisse? Tu es au top, tu as tout. Tes fruits sont bons, il y a de l'eau à côté de toi, il y a de l'ombre. Je ne peux rien te souhaiter d'autre. Si je te dis que tes fruits soient doux, ils sont déjà doux. Si tu veux que je te fasse une bracha, que tu aies de l'ombre, que de l'ombre soit fait de tes feuilles, tu as déjà de l'ombre. Et que si tu fais une bracha, qu'il y ait de l'eau qui passe à côté de toi, il y a déjà de l'eau. Et là, la bracha que je peux te faire, c'est Iratson, chez Kol Netiot, chez Notin Mimcha, que toutes les pousses qu'on prenne de toi pour planter un nouvel arbre, Yukamotra, il serait comme toi. Et donc, c'est ça qu'il dit Rabbi Yitzhak Rav Nachman. Je ne peux pas te faire de bracha.
La seule bracha que je peux te faire, c'est que tes enfants ils soient comme toi. Afata, comment tu veux que je te bénisse? Im betora, tu veux que je te donne la Torah? Arrête Torah, tu as déjà la Torah. Rav Nachman, c'était le Avbedin, un des Gdolador. Im beosher, la richesse, arrête osher. Il était ultra riche, c'était le gendre de Resh Galuta. Son père était riche, Rav Nachman, son beau-père était riche, il était très riche. Im bebanim, tu veux que je te donne des enfants? Arrête banim, tu as déjà des enfants. Et là, Yiratson, Chiyut, Tseitsei, Mecha, Kamotra, il y a eu 7 enfants, Rav Nachman, tous. Ils sont tous cités dans la Gemara, dans Brachot, dans Shabbat, dans Bamé Metsia, dans Sanhedrin. Rabin Breda Rav Nachman, Marona Breda Rav Nachman, Rav Papa Breda Rav Nachman. En deux mots, il y a eu 7 enfants, tous des Talmidei Chachamim, et c'était la Bracha de Rav Nachman.